Ah, partagez le live. Partagez le live. Bonjour, mes adorables abonnés. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce live, la matinale du président des blogueurs qui a toujours une petite minute pour vous entretenir. Je vous prie, très chers abonnés, très aimables abonnés, de partager le live. Partagez ce live. Voilà. Après moult réflexions, j'ai décidé de vous parler un tout petit peu. Nous avons fait un live hier qui consistait, n'est-ce pas, c'était la chronique, live très franc, dans lequel il fallait se dire des choses, live moins partisan. J'ai fait le constat qu'il y a des gens qui aimeraient toujours voir, qui veulent encore voir compresseur et flotte dans la saleté. Moi, je vais dire, les gens de compresseur qui veulent voir, qui veulent inciter cette guerre, n'aiment vraiment pas compresseur. Mais ce sont des hypocrites qui s'aiment eux-mêmes. Et les gens de flore, parce qu'il y a des abeilles qui veulent encore cette guerre, ce sont des gens qui n'aiment pas flore. Flore, en ce moment, est une artiste. Elle fait sa tournée mondiale, ça, qui lui permet d'avoir son argent, d'entretenir sa mère. Mais les gens qui prétendent aimer flore veulent encore allumer les clashs pour que flore, au lieu de faire cette tournée, puisque flore, pour poursuivre ce qu'elle fait, elle a besoin d'avoir une bonne réputation. Elle-même, elle le dit, elle n'a pas besoin de se mettre encore sur Internet et insulter les gens, avoir les balles, faire cette guerre qu'il a auparavant salie. Donc, elle est en train de gagner son argent, elle est en train de faire ce qu'elle aime, ses voyages, son joker, elle arrive à vivre de son blog. Mais je me pose la question de savoir, ces abeilles, ces extrémistes, certains, pas tous, qui veulent encore, qui sont en train de ne pas respecter la paix de compresseurs et de flore, ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas de vie, qui ont envie de maintenir une certaine querelle. Oui, il y a des gens chez Compressor qui n'aiment pas Flore et qui le montrent. Il y a des gens chez Compressor, oui. Il y a des extrémistes TKC. Comme dans tout groupe, il y a toujours ce genre de personnes. Mettez-moi les cœurs et partagez ce direct. Très, très chers abonnés, mes adorables abonnés, ceux qui me font l'honneur de me suivre ce matin. Il est mieux pour les deux personnes d'être dans cette paix. Parce que peut-être que ceux qui viennent d'arriver dans le blog n'ont pas vécu les guerres de flore et de compresseur. Ils ne savent pas. Eux, les gens pensent que c'est les petits clashs qu'il y a là maintenant. Là. Ce n'est pas quelque chose que flore elle-même elle a voulu. Ce n'est pas quelque chose que compresseur même elle a voulu. Ça prend souvent des proportions. C'est-à-dire, les gens étalent leur haine. Quand il y a les clashs, quand il y a eu des clashs compresseur et flore, les gens étalent leur, et les gens profitent de ça pour exposer leur haine à eux. Et ce sont ces gens qui ont soif que ça recommence. Un adulte, une grande personne comme Compressor, ne peut pas te dire « je suis en paix avec ma copine ». Compressor dit « je suis en paix avec Flo ». Je suis à l'aise. Et quand on dit qu'on est à l'aise avec un ami ou une amie, ça veut dire qu'on supporte les défauts de la personne, on comprend la personne. Ce sont les règles basiques d'une amitié. Quand on est ami avec quelqu'un, on dit qu'on aime une personne, la chose principale, c'est de supporter les caprices et les défauts de la personne. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis pas aussi. Je suis sur Internet, mais je suis pas très vivable. La personne qui m'accepte vrai comme ami doit supporter mes crises de nerfs. Donc, quand, c'est-à-dire que Compression montre toute sa grandeur en disant que c'est ma copine. Malgré tout ce qu'on raconte, malgré tout ce qu'on veut faire, Compression dit c'est ma copine parce que Compression est une grande personne dans la tête. Donc, elle sait très bien les gens ne vont pas venir apprendre à Compressor une amitié. Elle démontre que c'est ma copine. Laissez ce que vous dites là. Et Flore fait autant, c'est ma copine. Elles sont amies, elles ont deux caractères différents. Flore peut être des fois excessive. Vous savez, l'excès d'amour. Et Flore, quand elle dit qu'elle est mafou, quand Flore dit qu'elle est mafou, une mafou, c'est Flore est très protectrice. Flo, c'est pas que Flo donne les ordres à Compressor, mais Flo a vraiment beaucoup d'amour pour Compressor à un point où parfois elle veut prendre les devants. C'est-à-dire, c'est, tu aimes trop ta personne, tu ne veux pas que. Elle dit, si vous ne l'aimez pas Compressor, c'est parce que Flo seul peut assumer Compressor. D'accord? Flo seul peut l'assumer. C'est un excès d'amour, mais mal compris par les autres.
C'est pourquoi, parfois dans la vie, tu peux aimer Tanga. Tu peux être avec ta femme, tu aimes Tanga. Mais quelqu'un qui regarde la manière que tu vas être Tanga dit que Melanga, si te manque le respect. Ce que tu vois que c'est le manque de respect là, c'est souvent le véritable amour. Parce que Compression n'a pas de problème avec le comportement de Flore. Compression sait. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Vous êtes là. Qu'est-ce qui m'a fait être proche de Compressor? Ce n'est pas le public. Ce qui m'a fait respecter Compressor, ce n'est jamais les histoires en public. Personne ne sait pourquoi. Mais c'est beaucoup plus dans le privé. Compressor a été malade. J'ai pu l'appeler, j'ai pu parler avec elle. J'ai eu vraiment des sentiments pour elle dans la maladie. Flore, pareil. La relation que j'ai avec Flore, ce n'est pas un truc public. C'est une personne, c'est une autre personne quand on parle en privé avec elle. C'est une personne. Vous m'avez vu récemment. Flore, c'est une autre personne. Elle est très protectrice. Elle veut aider. Elle veut faire. C'est l'excès d'amour. Flore, on vous a dit que l'Angala, Flore, elle aime excessivement les gens. Ce n'est pas en aucun cas un commandement que Flore veut commander quoi que ce soit. D'accord? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ça va rapporter quoi à Flore de vouloir commander Compressor? Ben, rien du tout. Les intérêts de Flore, c'est dans ses conseils, dans ses voyages. Et Compressor n'a rien à voir avec ça. Donc votre interprétation est faussée de base. Je m'adresse aux TKC radicaux, aux radicaux qui veulent cette guerre. C'est vous qui voulez votre guerre. Ceux qui veulent cette guerre n'aiment pas ces leaders-là. Il y a des gens qui veulent, vous voulez, qui veulent, c'est-à-dire qui ont soif de cette guerre. Mais je vous dis, elle n'est pas bonne. Moi-même, j'en ai payé les frais. Parce que quand Compressor faisait la guerre avec Flore, moi, j'étais du côté de Flore. Je me retrouvais en train d'allumer mon téléphone, insulter Compressor seulement pour Flore, tous les jours. D'accord? Donc, il y a des gens. Et moi, j'ai dit à ces deux femmes, il faut savoir virer les gens de vos groupes. Il faut, quelqu'un est abeille, il veut te casser les couilles. Tu prends, tu fais une communication. Et il y a des community managers. Tu dis à partir d'aujourd'hui, tel n'est plus abeille, tel n'est plus TKC. Vous virez les gens. Faites ce que je fais. Moi, j'ai des gens qui me suivent. Quand les gens là commencent à être dans les problèmes, je les casse le cou, je les dégage. Quand tu es sur la toile et que tu as un groupe, il y a des gens comme ça qui veulent venir montrer leur frustration. Comment tu peux. On peut regarder les relations de Compressor et de Flore. Les gens commencent à mettre leur bouddha. Mais Compressor. Est à l'aise avec ça. Flore est à l'aise avec ça. Et Flore est dans une amitié avec eux. Flore est dans une amitié de telle sorte qu'elle voit que si je peux faire. Flore est toujours que je vais aussi faire manger ma copine, penser à ma copine. D'accord? Ça, vous ne voyez pas. Quoi que Flore fasse, Compressor connaît le cœur. On connaît. C'est-à-dire qu'on maintient une amitié. On maintient une amitié parce qu'on est à l'aise là-dedans. Flore, quelqu'un dit Flore est maladroite. Qui n'est pas maladroit? Tout le monde est maladroit. Mais quand les gens sont dans ta vie, quand les gens t'aiment, ils sont obligés de supporter ça. Moi, je vous dis la vérité, j'aime vivre seul. Pourquoi? Parce que je sais que des fois, je suis insupportable. Il n'y a que quelques personnes qui ont pu me supporter. D'accord? Oui. Moi, je sais que je ne suis pas très. Moi, je peux être à distance, moi, je suis comme ça. Mais quand tu es dans ma vie, mes 5m50, je suis quelqu'un. Les gens qui ont pu me supporter, je vous m'en passe, c'est la mère de l'Angawat avec laquelle j'ai eu les enfants. Aujourd'hui, même quelquefois, je regrette l'Angala parce que j'avais abusé le mauvais comportement avec l'Angala. J'avais abusé. Donc, me supporter, il fallait être fort. La fille, là, des fois, je faisais la gueule à l'Angala. J'ai dit que parfois, je réfléchis. J'ai dit que voilà une femme que j'avais, qui m'aimait, que j'ai perdue à cause de mon sale. C'est le sale caractère qui a fait la mère de mes enfants. Elle ne pouvait pas supporter le comportement des Camerounais. Donc, Flore peut être maladroite, c'est ce qui arrive à tout le monde. Mais quand tu aimes une personne, tu supportes. Qui est vivable? Même sur la toile, là. Donc, il y a des gens qui veulent clasher. Du côté des Flore, il y a les abeilles qui veulent encore recommencer la guerre là. Mais c'est des gens, c'est des frustrés. On vous a déjà expliqué ici ce que cette guerre a fait aux gens. Il y a des abeilles ici qui ont raté les examens. Il y a des abeilles ici qui ont perdu. Il y a des abeilles ici. Voilà maman qui a insulté pour Compressor fatigué. Maman a insulté. Aujourd'hui, elle est venue demander les excuses à tout le monde. Vous croyez, on vous a dit que même faux profil là. Même faux profil
Le mal que tu fais sur la toile, ça te retombe au visage. Tu payes ça, même faux profit. Si vous croyez qu'on se cache devant la réalité, on ne se cache pas. Magma, moi j'ai pu la voir. Elle m'a dit, du camé, tu demandes pardon. D'accord? Et maintenant, moi je vous le dis, il y a maintenant des abeilles. Il y a des abeilles qui sont en train de monter des coups avec Mbopi, soi-disant, on veut faire du mal à Flore. Dites-moi un peu, qui veut faire du mal à Flore? Vous voyez des petits manigances de Mbopi et, les abeilles, et certaines abeilles. Qui? Qui veut faire du mal à Flore? Là, je suis en train de dénoncer un mensonge. Qui veut faire Flore à son rythme de vie? Flore seule arrive à voir ses contrats. Personne ne peut se mettre sur la route de Flore. Mais les gens sont là, en train de vouloir dire que compresseur, du camé. Écoutez-moi un peu les petites manipulations. Écoutez-moi des manipulations à deux balles. Flore qui paye sa maison. Oh, bonjour la blanche, ça. Non, mais sérieux, regardez, c'est que, regardez-moi des frustrés, le genre de manipulation qui sort. Que du camé, compresseur, font un plan. Quel plan? Flore, elle a une page, elle a une équipe. Elle arrive à voir ses contrats, elle honore ses contrats, elle a son argent, elle fait ses voyages. Qui, le plan de contre Flore là, c'est quel plan? Le plan là est à quel niveau? Flore ne laisse même pas quelqu'un entrer chez elle, je suis jamais entré chez Flore. D'où viendrait le plan? Donc vous voyez comment les gens sont en train de vouloir créer des polémiques à deux balles. Mbopi, voilà. On m'a dit, je ne parle même pas d'elle, mais il faut que je dénonce ce qu'elle est en train de vouloir faire. Parce qu'il y a des gens qui disent que je supporte Flore qui sont avec Mbopi. Je vous pose une question. Celle-là, pour qu'elle se retrouve dans la place où elle est là, ce n'est pas elle-même qui a pris le téléphone pour venir insulter Compresseur. Ce n'est pas elle-même qui a dit ici qu'elle est numéro 1. Quelqu'un l'a envoyé de venir dire qu'elle est numéro 1. Et il y a des abeilles extrémistes qui sont en train de vouloir lui donner la force. Moi, je dis, Flore n'a même pas le temps. Mais après, ça dépend d'elle et son équipe. Mais quand on est dans un mouvement, il y a des gens, il faut leur dire, tu n'agis pas à mon nom. Donc, pour sauvegarder l'amitié des compresseurs et de Flore, voilà ce que les deux personnes doivent faire. Les deux personnes doivent identifier toutes les personnes qui sont en train de créer les polémiques et les virer officiellement. Vous n'êtes pas des abeilles, vous n'êtes pas la TK, c'est vous parlez à votre nom. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je préfère que ces deux femmes s'entendent. Parce que dans le blog, là, quand ça commence là, l'histoire des compresseurs et des Flore là, ce n'est pas les petites guerres à deux balles. Ce n'est pas des petites guerres à deux balles. Quand Compresseur a fait la paix avec Flore, tous les gens de Flore se sont rangés, ils ont écouté la reine mère. Tous les gens des compresseurs. Mais maintenant, les petits jonglages là, parce qu'en fait, c'est quoi? Compresseur n'a demandé à personne. Compresseur aime vraiment Flore. Et moi, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas la flatterie. C'est trop difficile de ne pas aimer Flore quand tu la connais. Quand tu connais Flore personnellement, tous ces gens bavards, ils ne la connaissent même pas. Quand tu connais Flore de Lille, quand tu la connais là, tu saches déjà que tu ne peux pas mourir de faim, Flore est là. Tu ne peux pas manquer ce que tu vas boire. Elle donne. Flore est hyper large. Tu ne peux pas, écoutez très bien, tu ne peux pas avoir un problème. Flore te laisse dans le problème. Donc, les faux profils pro-abeilles qui veulent, qui sont en train de suiter Compresseur, et Compresseur va te dire qu'il y a les abeilles qui t'insultent par Mbopi. Les gens qui disent qui aiment Flore, mais qui sont chez Mbopi pour t'insulter copieusement. Et il y a les TKC qui sont en train d'insulter Flore. Ce que vous devez faire, ça c'est la proposition du président des blogueurs. Compresseur, tu dois parler avec ta copine pour virer dans vos rangs les personnes qui font ça. Vous devez dire officiellement que ceux qui sont de la TKC, c'est-à-dire Compresseur, tu dois faire un communiqué. Toute personne qui est de la TKC qui s'attaque à Flore est bannie de la TKC. Flore, tu dois faire un communiqué. Toute personne qui porte ton nom, qui attaque Compresseur, est bannie de chez les abeilles. C'est très important de faire ça. Donc, quelqu'un ne va plus dire que je supporte Mafo, il attaque Compresseur. Vous devez faire ces communiqués si vous voulez réellement maintenir cette paix. Parce que si vous ne maintenez pas, une guerre parallèle va se déclencher.
Donc, il y aura les gens qui disent qu'ils aiment Compressor, qui vont attaquer Flore. Quand on gère un groupe, il faut être ferme. La ferme. Vous, c'est pas des petits groupes que vous gérez, hein. Flore et Compressor. Parce que les gars-là peuvent créer une histoire où ils peuvent même avoir des morts. Donc, il faut être ferme. Soit vous avez des représentants dans vos pages. Compressor, Maléba, la maréchale, fais un communiqué sur ta page que toute personne qui attaque Flore n'est pas de la TKC. Et Flore de Lille, la maf ou la donneuse de work, la femme la plus gentille, la mère de tous les blogueurs, fais un communiqué que toute personne qui t'aime, qui apprécie ta démarche, doit arrêter d'attaquer Compressor. Compressor subit. Mbopi a organisé certaines abeilles qui la soutiennent et qui sont en train d'attaquer Compressor au nom de Flore. Dans leur groupe, là, ils disent que nous, on est mafou. Une place, et ils insultent Compressor. Donc, je vous fais la proposition que vous devez faire ces communiqués simplement. Vous n'allez pas aussi vous casser, vous avez mieux à faire. Vous avez mieux à faire dans votre vie. Compressor est là pour les orphelins. Mettez-moi le lien des orphelins, s'il vous plaît. Mettez le lien des orphelins. Je poste ça. Les abeilles étaient cassées. Ce n'est même pas les leaders qui ont fabriqué ces groupes-là. Mais ces groupes sont devenus puissants. C'est un truc de malade. Tu ne peux pas être une femme. Tu reviens parler dans la relation des deux adultes. Hein? Flore en train d'abuser des compresseurs. Flore en train d'abuser des compresseurs. Nanani, nanana. Mais compresseur même te dit, je suis à l'aise dans la relation. Je suis à l'aise comme ça là. Parce que ma force, ce que vous ne savez pas, c'est beaucoup plus la discrétion. La force des Flore, ce n'est pas publiquement. Donc, quand tu as affaire à Flore, Clara Ndoumbé, si on ne dénonce pas toute forme de manigance publiquement comme ça là, hein? Donc, vous gérez des groupes armés. Vous gérez des groupes armés. Je vais te bannir de ma page. Toi, je vais te bannir de ma page. Voilà. Je vais quand même lire ton commentaire, mais je vais te bannir. Parce que tu as l'obligation de venir respecter cette page. Toi, là. Tu es une petite hypocrite. Hein? Souvent, tu parles même. J'ai dit même que l'angassier est réfléchi un peu. Des fois, tu parles. Toi, là. Des fois, tu parles. Je me dis, c'est une dame réfléchie. Et tu viens me pondre les bêtises sur ma page. Tu as compris? Voilà, je vais te bloquer sur ma page parce que tu n'as pas le droit de venir me poser des sales commentaires. Et je te réponds quand même un tout petit peu. J'ai fait un live hier, j'ai demandé pas d'insultes, d'accord? Dans mon live, après, Nancy peut faire tout ce qu'elle veut dans son direct. Je ne suis pas patron de son direct. Tu as compris? Et ce que tu prononces là, tu es venu t'asseoir chez elle là, c'est pas toi qui l'a, tu n'es pas celle qui l'a fabriqué. Tu n'es pas celle qui lui a donné la visibilité. Donc, assieds-toi tranquillement là-bas et tu te fais voir. Tu as compris, hein? Tu t'assois avec elle, tu fais ce que tu veux. Tu as compris? Tu es incapable même de relever son blog. Pourquoi elle est toujours dans les shows de Flore et de Compressor? Hein? Tu es incapable, tu la gères. Mais fais qu'elle ne parle plus des choses ici, je vois. Tu n'as pas vu Lily de la Tour, comment elle relève Nicole? Tu es parti, elle gérer une fille. Quand on gère quelqu'un, c'est pour que la personne soit mieux. Tu oses venir manquer, viens écrire encore les bêtises. Tes blogs même pas, mais écris encore une connerie ici, là. Quand tu prends, tu récupères, c'est qu'on a à travailler. Donne-lui une autre vision, ça va même te respecter. Cherche à être blogueuse tranquillement, tu ouvres ta page. Je te tolère. Parce qu'à un moment, je pensais que tu parlais très bien. Tu comprends? À un moment, je dis, ben, elle, ça va. Mais tu veux m'écrire les bêtises. J'ai fait une concurrence avec la saleté là. Tu es malade. Voilà, je reviens sur le sujet. Donc, je ne te bloque pas. Mais tu as intérêt à ne plus faire les sales commentaires sur ma page. Donc, moi, je connais l'efficacité des abeilles. Je connais l'efficacité de la TKC. Ces blogueuses ont besoin d'une bonne image pour poursuivre les entreprises. Voilà. C'est-à-dire que même Compressor ne comprend pas pourquoi les gens l'aiment autant. Même Compressor ne sait pas. L'armée, c'est une armée. Moi, je vous dis que les gens là, c'est une armée. Ce n'est pas la blague. Compressor est la mère des orphelins. Mettez-moi le lien de Compressor, s'il vous plaît.
mettez le lien de Compressor. Compressor est la mère des orphelins. Elle a choisi l'humanitaire. Compressor a besoin des contrats de Facebook parce qu'on peut vivre de Facebook pour vivre. Elle n'a pas besoin d'allumer le téléphone, vouloir gérer les conflits qui vont salir son nom. Flore de Lille a plus besoin d'avoir un emploi. On vous dit dans le blog, quand tu mets ton visage sur Meta, il faut chercher à avoir une bonne réputation. C'est important. Et Flore n'a pas besoin de salissure. Quel est l'intérêt? Ceux qui sont en train de dire que Flore veut dominer Compressor. Mais quel sera l'intérêt pour Flore de dominer Compressor? Flore veut aller plus loin dans son blog. Flore veut maintenir son nom. C'est une artiste. Elle est en tournée mondiale en ce moment. Quand tu es en tournée mondiale, est-ce que tu as besoin de venir faire des clashs? Flore est dans la posture que si je peux manger, je pense à Compressor, elle mange. Compressor est dans la statue que non. Dans le blog, c'est que Flore est devant elle. Elle le sait, elle reconnaît. D'accord? Mais maintenant, la manière de parler, si c'est la manière de parler de Flore qui n'arrange pas Compressor, je pense que la plus indiquée, c'est à Compressor de rappeler à sa copine que non, quand tu t'adresses à moi, essaye de changer ou pas. Mais ça ne la dérange pas. Parce qu'elle a trop d'amour. Quand tu as trop d'amour pour quelqu'un, même si quelqu'un te parle mal, tu laisses. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu as trop d'amour pour quelqu'un, Compressor est intelligente. Elle ne gère pas que oh, Flore a mal parlé ou quoi que ce soit. Compressor ne gère pas ça. Regardez la saleté de Mbopila. Elle, par exemple, elle n'a pas pu comprendre ça. Que quand elle avait Flore de Lille pour elle, elle aurait pu respecter certains codes. Compressor respecte les codes et Mafou, ça l'arrange. Mafou sait que quand elle part quelque part, s'il faut faire gratter Compressor, elle gratte. Compressor n'est pas dans une concurrence avec Flore. Dans le blog aussi. Il y a les raisons pour lesquelles Flore est devant tout le monde. Il y a les raisons pour lesquelles dans le blog aussi, quelqu'un ne peut pas se permettre de venir dire que je vais rivaliser Flore. Si Flore est ta personne, tu t'alignes. Et Flore ne mange pas seule. Flore ne mange pas seule. C'est sa force. Mais Flore parle mal. Si ça n'arrange pas quelqu'un, tu fais comme Bopi. Tu pars commencer à l'insulter. Elle s'en bat les couilles. Quand tu es derrière Flore, ton problème sera que tu restes tranquille. Si elle parle mal, peut-être elle a bu ses bières. On est tous des sous-là. Parce que moi-même, je commence à boire. D'accord? On est tous des sous-là. Peut-être Flore a bu ses deux bières. Elle vient, elle parle. Vous ne savez même pas que c'est la bière. Flore est hyper respectueuse. Deux fois, elle parle comme ça. C'est la bière qu'elle a bu pour venir parler comme ça. Là. Et Compressor, c'est ça. Compressor n'a aucun problème. Si Compressor, tu es mal à l'aise avec la manière, parce que c'est le problème des autres, que oh, Flore veut dominer. Mais mon frère, Compressor sait qu'elle a sa team, elle est alliée à Flore, mais que tout le monde sait que Flore a un niveau de bloc pas possible. Même un artiste aujourd'hui, hein? Même un artiste ne peut pas s'asseoir, il dit qu'il peut parler, il peut faire les voyages de Flore. Flore a plus de valeur. Donc, c'est-à-dire que quand on fait le classement même, quel chanteur, même en termes de cachet, en termes de valorisation, quel jeune chanteur peut rivaliser Flore? Laissons le blog. Donc, Flore a le plus besoin d'une bonne réputation. Si tu es une abeille et que tu aimes Flore, tu dois éviter de salir le nom de Flore. Flore a choisi son ami dans le blog, qui est sa soeur Compressor. Et Flore, quand elle mange, elle dit « Pensez à ma copine. Vous ne savez pas le derrière. » Vous voulez maintenant envoyer Perpétue dans la guerre et vous aider Perpétue avec quoi? Qu'est-ce que Perpétue n'a pas fait ici comme business? Vous avez acheté? Perpétue a fait les produits. C'est les mêmes gens qui ont salué les produits là. Perpétue a tout fait ici. Vous l'avez lancé où? C'est toujours vous-même qui dites qu'elle ne travaille pas. C'est vous qui dites ça, qu'elle ne travaille pas. Mais si elle est dans un truc qui lui donne un peu d'argent, elle a les abeilles, elle a Flore, elle a tous ces gens qui arrivent à contribuer pour elle, à l'aider, et ça lui permet de vivre. Maintenant, elle doit aller en guerre avec eux, pourquoi? Et c'est vous allez faire quoi? On parle même de vous. Vous êtes donateur de Compressor. On ne blague pas avec les donateurs. Moi, je vous dis la vérité que les abeilles payent. Sur la toile, il n'y a pas une team. Il n'y a pas une team qui paye comme les abeilles, je ne vous mens pas. Aucune team ne paye comme les gens-ci. Donc, c'est mieux de les avoir pour toi. Parce que vous l'étiez cassé là. Il y a quelques gens qui help, mais la plupart ne donnent rien à Compressor. La plupart des voyages que vous voyez de Flore sont les abeilles, c'est les payeurs. Donc,
Les abeilles bayam, vrai. Donc, compression n'a aucun intérêt d'avoir une histoire que je veux faire quelque chose. C'est une ambition dans laquelle elle est à l'aise. Je suis désolé de vous le dire. Donc, quand quelqu'un te met bien, tu n'as aucune manipulation avec la personne. Est-ce que c'est clair? Les abeilles vont manger. Voilà, quand tu as un problème avec les abeilles, tu lis leur financièrement sur Meta. D'accord? Quand tu as un problème avec les abeilles de Mafo, parce que Mafo même ne sait pas. Il y a une abeille de Mafo qui est ma personne. Quand j'appelle comme ça, j'ai au moins 500 ou 1000 euros. C'est la fille d'une grande personnalité au Cameroun. D'accord? C'est la fille d'une grande personnalité. C'est une abeille. Son nom ne va jamais sortir. Quand je dis, chaque fois que l'Angala, j'ai appelé, j'ai au moins 500 ou 1000 euros, dit, prends, je t'adore. Mais ne t'attaque jamais. Ne t'attaque jamais à la reine mère. Son père, ce n'est pas n'importe qui au Cameroun. Donc, quand tu sais ça, quand toi-même tu manges, dans quelque chose, tu peux encore salir ça. Je pose la question. Quand tu manges, quand quelque chose te donne à manger, tu passes gâté, c'est que tu es normal. Quand tu avais flore, tu manges. Maintenant, les gens qui veulent le gâter, compresseur, c'est ça. Donc, il faut protéger les relations qui font manger. Je veux dire que sur la toile, ce n'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire d'intérêt et on protège les intérêts. Il y avait un problème sur la toile une fois. Le monsieur était en train de payer l'argent. Moi, je vais vous dire, parfois on te donne un dossier, tu sais que tu n'es pas à la hauteur du dossier. On m'a donné un dossier de parler de quelque chose. J'ai appelé Amer Kamer. Amer Kamer a demandé 1000 euros pour parler de l'affaire. Moi, j'avais déjà mangé ma part. C'est un monsieur que un Camerounais était en train d'escroquer 50 000 euros. Donc, le monsieur voulait qu'on dénonce le gars qui était en train de vouloir couler sa société. Comme Amer Kamer, je sais que c'est quelqu'un qui, quand il prend le micro dans une affaire, j'ai dit au gars, moi, je vais parler, mais je sais que si je parle, Amer Kamer parle, tel parle, l'affaire va avoir une grande portée. J'ai appelé Amer Kamer, comme mon frère, voilà un frère camerounais qui a sa société, et il faudrait qu'on essaie de parler de ça. Amer Kamer a demandé 1000 euros. Colo! Ou on lui donne... Amer Kamer voulait mon téléphone. Hein. J'ai un iPhone 13, ça fait un an. Il a dit que du Kamer, tu me donnes le iPhone. Le gars l'a payé ça. J'ai dit 400 euros à Amer Kamer, il a refusé. Amer Kamer a refusé l'argent. Il a barré les dos là. Il voulait plus. Je suis donc allé voir Lolo. À l'époque, je m'entendais avec elle. Parce qu'il faut que vous parlez de Lolo. Lolo a pris l'argent de deux côtés. Quand je lui ai donné l'argent, j'ai donné le numéro de téléphone du gars qu'on voulait dénoncer. Elle est partie parler au gars. Le gars, c'est un baganté. Elle a tué l'affaire. Elle a mangé l'argent. Elle n'a jamais parlé de cette histoire. Moi, je lui ai envoyé l'argent à Lolo. J'ai le truc, le reçu. Elle a pris l'argent. Elle est partie encore causer avec le gars qui lui a encore donné l'argent. Elle a tué l'affaire là. Donc, dans le blog, virgule, il y a l'argent dedans. Les gens qui te font manger, tu les protèges. Est-ce que c'est clair? Donc, laissez-moi les amitiés à deux balles. Compression est très à l'aise dans l'amitié de Flore qui lui rapporte. Et Flore est très à l'aise avec l'amitié de Compressor qui lui assure une tranquillité. Elle ne veut pas la guerre. Parce que la guerre va salir Mafo en ce moment. Être dans une guerre, ça va la salir. Elle n'a pas besoin de ça. Flore ne veut pas arriver dans un événement. Les gens la regardent. Elle veut un bon. Elle a besoin de... C'est ça. Donnant, donner. Oui, on mange dedans. Moi, je vous dis que dans le blog, on mange dedans. Moi, il mange dedans. Sinon, vous pensez que le matin, je vais aller au travail, je m'arrête pour bavarder sur Facebook pour rien? Oui, le blog, c'est l'argent. Comprenez ça. Et on n'attaque pas les gens qui te donnent l'argent. On n'attaque pas. Quelqu'un qui te fait manger, tu fermes ta bouche. Dans les rapports de Compressor et Flore, il y a les intérêts dedans. Celui qui veut manger, il n'a qu'à allumer sa caméra, il met sa tête, il bavarde. Et dans le blog, quand vous voyez les paix, c'est les paix d'intérêt. Oha, oha. Voilà, quand tu me rapportes rien sur Facebook, ne viens pas me casser les couilles. Je suis là pour l'argent de la dalle. Parce que la maison doit pousser. Moi, je vous le dis, c'est qu'on ne peut pas vous dire. Et Flore, c'est une personne
qui aide beaucoup dans le noir. Flore aide les gens au va dans le noir. Beaucoup, elle ne parle même pas. Voilà. Dans Lolo, là où elle est, là, je lui avais envoyé l'argent. Je lui ai envoyé 400 euros. Ça, c'est Amel Kamé avait refusé. Elle a pris l'argent. Elle n'a jamais parlé de l'histoire là. Elle a tué les deux dans le sang. Et le gars a perdu sa société. Pourtant, c'est une affaire que nous, on devait éclater sur la toile pour que le gars la ralentisse. D'accord? Donc, les paix que vous voyez là, c'est les paix qui arrangent tout le monde. C'est les paix d'intérêt. Et les équipes doivent respecter ça. Moi, je ne vous cache pas, ça ne sert à rien de rester pleurer. Celui qui veut être blogueur, il y a l'argent dedans. Ce n'est pas seulement l'argent des étoiles. L'autre jour, les réels que vous voyez là m'ont donné un bon argent. Seulement les réels. Je n'ai même pas besoin des étoiles. Je n'ai pas besoin des étoiles pour avoir les dos. Il y a tout. Il y a 6 monétisations. Propre. Donc prenez vos caméras au lieu de bavader. Ceux qui viennent avec la haine là, nous, moi, je suis sur l'affaire ici pour les dos. Et toute personne qui me gêne sur mes dos, je l'attaque. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est assez clair? Et sur Internet, chaque blogueur a ses donateurs. Chaque blogueur a ses donateurs qui valorisent. Quand vous voyez un blogueur prononcer le nom de quelqu'un tout le temps, c'est un donateur. Oui, le blog, c'est du temps. On est en spectacle. D'accord? Le blog, c'est le spectacle. Je suis en spectacle là. Je suis en spectacle. Donc, si vous voulez gâter les relations de Flore et compresseur, vous voulez enlever le manger des compresseurs. Parce que dans la cotisation des orphelins là, si on peut vérifier, beaucoup d'abeilles de Flore ont contribué là-dedans. Pourquoi est-ce que compresseur va venir perdre le temps avec « Oh, Flore m'a parlé comme ça ». La Flore a son caractère. Quand elle a bu ses bières, ça sort comme ça sort. Vous-même, vous savez quand j'ai bu mes Guinness. Quand j'ai bu mes Guinness, est-ce que ce que je fais en ce moment-là est bon? Non. Vous voyez, toujours, je viens m'excuser. Que, ouais, je demande pardon. Voilà. Dans le blog, c'est une histoire. Ceux qui viennent avec les mots. Oh, tu veux tuer. Moi, je suis là pour l'argent comme un mec à mère. Donc, quand je te valorise, non, tu me donnes les dos. Les amis, je dois faire la dalle. Il me faut 6 millions. 6 millions. Ça va sortir d'où? Avec les salaires de Mbeng. Je dois acheter ma voiture. Le permis est dans la poche. Il me faut l'argent. J'ai 3 enfants. J'ai 3 pensions alimentaires. Tous les mois. Enlever 300 euros par enfant. Quand tu dois payer les pensions des 3 enfants en France, là, tous les mois, tu dois retirer l'argent, tu donnes là. Hein? Donc, moi, je veux dire que Compressor est celle qui va apprécier le respect ou pas le respect de Flore. Mais Compressor s'en bat les couilles parce qu'elle connaît le fond. Flore de Lille, quand tu connais son fond, tu ne gères pas les détails. Quand tu sais que quelqu'un te fait du bien, est-ce que tu gères les détails de la personne? On a tous un sale caractère. Moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas très vivable. C'est pourquoi il préfère toujours être seul. Je ne suis pas très vivable. Parce que j'aime, pour vivre avec quelqu'un, c'est compliqué. J'aime pas le bruit, j'aime être seul. J'aime avoir tout seul. C'est pourquoi vivre même avec la femme dans la maison est très compliqué pour moi. Si une femme n'a pas de bonne manière, je suis un scandale, je sais. Donc vous voyez comment même ma tante est à la maison, je suis obligé de faire attention. C'est quand même la famille, c'est quand même la maman. Mais normalement, vivre avec quelqu'un, je veux pas. J'aime vivre dans une maison, je suis seul. Le silence, mes ordinateurs, j'ai un sale. Il faut reconnaître. Non, moi, je paye les pensions alimentaires. Je paye. Je ne peux pas avoir les petits argent, les enfants. Moi, je fais les virements. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu dans les procès. Je ne suis jamais allé à un tribunal pour les mounas. Je ne suis plus avec les mamans, mais je paye. Et je vois les enfants comme je peux voir. J'ai la malchance que les mères de mes enfants adorent trop les enfants. Donc, elles sont là, on discute les enfants. Je veux prendre, elles veulent prendre. C'est compliqué. Hein? Moi, c'est même souvent bien quand une femme s'en fout de l'enfant. Toi, le père, tu peux prendre ton enfant tout le temps. Mais quand tu discutes des enfants avec la mère aime trop ses enfants. Je veux prendre les enfants, c'est la guerre. Est-ce que c'est clair? Donc, vous allez retenir de ce direct. Quand on allume sa caméra,
Ceux qui mettent trop le cœur sur Facebook, vous n'avez pas compris. C'est l'intérêt, c'est l'argent. On a trop parlé gratuitement. Papa Zuckerberg a ramené l'argent dedans. C'est l'argent. Non, 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 s'il vous plaît. La tête cassée. La tête cassée. Vous êtes une grande team. Et quand je parle de tête cassée, il y a deux tête cassées. Il y a deux groupes d'abeilles. Il y a les abeilles qui veulent faire, qui veulent remettre ma faute dans la saleté. Mais j'ai proposé une idée. Que les leaders de cette team mettent hors d'état de nuit les personnes qui veulent les déranger. Voilà. Vous faites des communiqués. La reine des abeilles et son staff doit communiquer. Toute personne qui insulte compresseur, qui est abeille, dégage. Et la compresseur doit communiquer. Si tu aimes compresseur, tu dois aimer Flore. Si tu attaques Flore, oh, tu es banni de tes cassés. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une proposition du président du Congo. Ça. Non, mais voilà. Vous savez, je vous ai expliqué ça. Vous dites que Flore Deli parle des choses de la tête cassée. Flore, c'est une gars très possessive. Quand elle a mis avec toi, tu vas subir. Mais quand tu sais très bien que Flore, c'est, hein, c'est une gars. Flore, c'est une donne gars. Elle yamo. Quand Flore yamo, elle te yamo. Elle veut venir prendre ta vie. C'est pourquoi Flore vous a dit qu'elle ne peut pas vivre avec un homme. Flore vous a dit qu'elle ne peut pas. Moi-même, je ne suis pas avec une gars parce que moi, je suis comme Flore. Je gère les détails dans mes amitiés. Flore gère les détails. Flore veut protéger Compressor. C'est pourquoi elle entre même dans l'équipe des Compressor. Elle vous dit, c'est trop d'amour, wesh. Moi, je gère les détails. Vous avez remarqué que je surveille même les commentaires. Je surveille même vos commentaires. Quand je vois un mauvais commentaire, j'atterris sur ça. Je suis dans le détail. On me parle de Nancy. Nancy a ouvert sa guerre avec Flore. Nancy a ouvert sa guerre. Elle ne cache pas qu'elle s'attaque à Flore. Mais c'est à Flore de répondre. Je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Moi, mon avis, je ne suis pas d'accord. Mais maintenant, Compressor étant ma personne, Flore de Lille étant ma personne, je gère leurs problèmes. Je ne veux pas gérer. Je donne l'antenne à Nancy pour qu'elle s'exprime, pour faire vivre la chronique, mais dans le respect. Parce que la chronique ne sera plus ce qu'elle était avant, où on venait insulter les gens. La chronique sera simplement un espace dans lequel les gens peuvent s'exprimer sans injure. Je vous le jure. Donc, vous qui regardez les histoires de blog, voilà, donc Nancy, je vais dire quoi? Que Compressor doit être ferme pour qu'il parle à son nom. Oui, parce que je vous ai dit qu'il y a les TKC qui s'attaquent à Flore. Maintenant, c'est le recadrage doit être de deux côtés. De recadrage, supposed to be de deux côtés. D'accord? Voilà, les gens veulent cogner les têtes, mais la guerre n'arrange personne, mes frères. Compressor et Flore dans les clashs, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas le blog, ça va ramener le blog encore à zéro. Ça n'arrange pas les deux. Les deux ne peuvent pas vouloir ça. Donc, il faut faire une com. Voilà. Si Nancy veut faire sa guerre avec Flore, Nancy a demandé, a dit que Flore, il ne faut plus que Flore l'appelle Kento, il ne faut plus que Flore l'appelle tout couleur, que ça la dérange. De toute manière, dans les deux camps, il y a les gens il y a des gens qui sont en train de ramener des petites manipulations, les machins. Mais il est très important de recadrer ça très vite. Parce que si on ne faisait pas cette direct qu'on fait depuis hier, je pense que ça allait être vraiment très ouvert. C'est qu'en ce moment, c'est sûr que ça continue. Mais je suis en train de vous décortiquer ce qui se passe réellement. Chacun a ses intérêts. Et là où il y a des intérêts, on ne fait pas la guerre. Est-ce que vous comprenez la philosophie? Là où il y a les intérêts, Compressor a ses intérêts avec Flore, Flore a ses intérêts avec Compressor. On protège les intérêts. Les gens maintenant qui sont stupides, les gens qui pensaient que Facebook c'est la vraie vie, n'ont pas protégé les intérêts. Et ils pleurent. Pourquoi Ducamé soutient Flore de Lille? Parce que Ducamé mangeait des dents. Pourquoi Ducamé ne peut pas s'attaquer à Flore? Je mangeais des dents. Comprenez ça. Et n'imaginez pas que Ducamé planifie contre Flore. Si je ne suis plus avec Flore,
mais mon mangement va diminuer parce qu'il y a les abeilles qui me financent. Le voyage qui m'a été proposé en Égypte, c'est une abeille. Moi, je reconnais les gens qui m'ont tendu la main. On m'a proposé le voyage en Égypte. L'Angala, c'est qui? C'est une abeille. D'accord? Donc, expliquez-moi. Expliquez-moi comment quelqu'un me fait manger et je viens attaquer la personne. Expliquez-moi. Non, mais sérieux. On m'a proposé en août un voyage en machin. C'est les abeilles. Il y a la fille d'un milliardaire au Cameroun qui est abeille. Quand je l'appelle, elle me dit, tu veux quoi? Tu aimes trop l'argent. Voilà 500 euros. Parce qu'elle a trop d'argent. Elle a dit que elle m'a donné un avertissement. N'appelle jamais mon nom dans les directs. Elle m'a dit, du camer, je t'adore. N'appelle jamais mon nom. La personne qui m'a donné le plus d'étoiles dans les lives, elle m'avait donné 37 000 étoiles. C'est une femme. Elle est venue, elle a mis... Vous savez pas, j'ai eu 37 000 étoiles d'une femme. Cette femme est abeille. Elle a dit, du camer, ne prononce jamais mon nom. Ne prononce jamais mon nom. J'ai dit, d'accord. Donc, il y a les noms qu'on ne peut pas prononcer. Les donatrices, les vrais. Voilà D'Angelo Black. D'Angelo Black, quand il vient, c'est 10 000 étoiles. Mais comment est-ce que je vais l'attaquer? Voilà la preuve pour vous dire que sur Facebook, là, quand quelqu'un te donne la ferme, ta bouche, tu restes tranquille. D'Angelo. Hein? D'Angelo, quand il arrive là, D'Angelo, mais ça, depuis hier, tu ne m'as pas donné à manger, papa. D'Angelo Black, depuis 2 jours, j'ai faim. Quand D'Angelo vient, 10 000 étoiles. Il m'a donné 12 000 étoiles en 2 jours. Voilà maintenant la milliardaire Edith Kandoum. Quand elle arrive là, bonjour du camer, 1000 étoiles. On est là pour les intérêts et on protège les gens. L'argent te protège. Quand tu donnes l'argent, on chante ton nom. Quand tu donnes l'argent, c'est comme ça. Vous voulez quoi? Vous voulez renvoyer compresseur dans une guerre? Elle n'en veut pas. If you want to be free, get yourself money. Le besoin vous met en prison. Pourquoi est-ce qu'il y a les gens qui veulent encore forcer pour être dans les teams? Parce qu'ils sont là, ils ont compris ce qu'ils ont perdu. Les gens qui veulent encore dire que Marfo, ils avaient Marfo avec eux, ils avaient Marfo avec eux, ils mangeaient. Au lieu de respecter Marfo, ils n'ont pas respecté Marfo. Maintenant, ils sont en train de dire que non. Les gens qui mangent à côté des flores maintenant. Les gens qui mangent à côté des flores. Compresseur, du camin, amen, camin. Vous croyez qu'Amen Kamen peut clasher? J'ai géré mes intérêts. Et Flore, c'est le Qatar. Oui, Flore, c'est le Qatar. Elle-même, elle ne sait pas. Flore, c'est mon Qatar. Je suis obligé de la protéger. Je dis ça à ceux qui disent que du Kamen veut attaquer Flore. Par... Non, c'est toi qui veux venir à côté de Flore. Il est tard. Tu as perdu. On appelle Flore la Marfo. Tu es à côté de Marfo. Tu manges. Je mange. Quand j'étais au Cameroun, l'autre jour, là. Adama. Être blogueur, c'est bien. On m'a envoyé l'argent jusqu'à... Dorcas, tu dis que j'ai bu 8 bières chez toi. Dorcas, il t'a donné 100 000. Dorcas, il t'a donné 100 000. J'étais au Cameroun. Je ne vous manque pas. Moi, quand je suis quelque part, même en Allemagne. Donc, Flore de Lis, c'est le Qatar. C'est le Qatar. Est-ce qu'on joue avec le Qatar? Chacun a ses intérêts. Si Flore de Lis te tend la main, prends la main, tu manges doucement. Ne coupe pas la main. Moi, je vous dis, donc je ne peux pas. Je suis qui? Tu vois, Amen Kamen. Amen Kamen ne peut jamais s'amuser avec Flore. La team qui a cotisé pour Amen Kamen, c'est qui? Ce n'est pas les abeilles. La team qui est venue m'assister au deuil, là. La team qui est venue au deuil de ma mère à cotiser là, c'était la team de qui? Sur toute la toile là. Quelle blogueuse a mis ses pieds au nom de... Donc, n'inventez pas. Je peux des fois être en désaccord avec Flore ou bien dire n'importe quoi. Mais la vérité est dans mon cœur. Oui, et Flore a ses intérêts aussi. Que ces abeilles
qui font d'elle ce qu'elle est, le Qatar. Toute personne aux côtés de Flo mange tranquillement. Et ceux qui la respectent, ceux qui savent ça et qui la respectent, tu ne peux pas t'attaquer. J'ai flirté avec Lolo. J'ai flirté un peu avec Lolo. C'est moi qui l'a, je lui ai envoyé l'argent. Lolo ne fait manger personne. Lolo, c'est l'Éthiopie. Lolo, c'est l'Éthiopie. Personne ne mange. Lolo n'arrive pas à lancer quelqu'un. Moi, j'avoue. Il y a des gens qui sont ingrats, qui n'acceptent pas. Quand tu es autour de Lolo, c'est le Congo. Ça, elle ne peut jamais t'appeler pour te dire qu'il y a un contrat. Lolo, tu as donné le contrat à qui? Lolo, c'est l'Éthiopie. On ne mange pas. C'est pourquoi on l'insulte. S'il y avait les intérêts derrière Lolo, je devais tenter de chanter son nom. Aucun. C'est une blogueuse. Tu ne manges pas derrière. Elle mange seule. Lolo, regarde le morguier. Hein? Regarde le morguier. Tu lui as donné quel contrat? Quelqu'un qui te suit, il va mourir de faim. Hey, Lolo, ma chérie, tu es l'Éthiopie. Tout le monde autour de toi. Il y a une fille que j'ai envie de sauver, même qui peut être une bonne blogueuse. Mais tu la mènes dans les clashs. Hein? Regarde toutes les épaves là, les Nadej Bapa, les Coco Kouetou, toutes les saletés là. Elle mange quoi? Hein? Elle mange quoi? Toutes ces sales choses là. Ok, Lolo, Lolo. Hey, vous, Lolo mange seul. C'est l'Éthiopie. Flo, c'est le Qatar. Ma pépé, c'est Mère Teresa. C'est la mère des orphelins. Donc, nous sommes dans un film qui plaît. Nous sommes en spectacle. Ouais, le direct, si, je suis arrivé. Donc, moi, j'ai fait un cours. Je vous ai dit ce que c'est que le blog aujourd'hui. Copier le direct, si, et crétiner. On ne vient pas sur Meta avec l'amour. On vient avec les intérêts. Voilà. Et quand quelqu'un te fait manger, tu comprends? Non, mais je profite. Vous pensez que je vous raconte quoi? Je peux venir être ingrat? Je ne peux pas. Oui, j'ai déjà parlé mal à Flo. Un enfant parle mal à sa mère. Oui, j'ai déjà parlé mal à Flo. Je l'ai même déjà peut-être insulté. C'est que les gens disent. Ben, Flo est venu garer ça. Flo est venu garer. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein? Dans l'Éthiopie, là, n'aide personne. Regardez Black Beauty. J'aime trop la fille là. Dans les ténèbres, c'est une fille. J'ai toujours dit que c'est une gars que. J'aurais bien aimé. Elle me fait un blog propre. Mais les ténèbres la ramènent toujours dans la saleté. Black Beauty. Hein? Black Beauty. Sors de là. Lolo ne peut pas te lancer. Tu aimes le blog. Mais pourquoi tu es entré dans les ténèbres, ma chérie? Viens me voir, on va te valoriser. Tu vas être une bonne blogueuse. Je le dis tout le temps parce que je sais que tu peux faire autre chose. Black Beauty. Je ne te ramène pas dans la manipulation ou bien pour que tu viennes supporter Flore. Mais je veux te voir dans un blog sérieux. Hein? Les conneries là, l'Éthiopie ne peut, il peut pas t'avantager. Donc Black Beauty, envoie-moi un message. Je vais te lancer, je vais publier tes trucs. Ne sois pas dans les clashs, fais ton blog normalement. Tout le monde, on va te soutenir. Tu es en Éthiopie, ma chérie, tu vas maigrir. Hein? Et les abeilles, quand ils parlent bien de vous comme ça, vous aussi. Même pas pour dire que voilà, Ducamel, tu as raison. Je vous ai envoyé quand même 1000 étoiles. Je suis en train de parler bien de vous comme ça, les abeilles. Les abeilles choux. Non, les abeilles payent. Les abeilles payent. N'entre pas en guerre avec les abeilles. Tu vas mourir. Tu seras l'Éthiopie. Oui. La team qui donne l'argent aux gens. Tu n'entres pas en guerre avec quelqu'un qui te donne à manger. Non, c'est une erreur. Donc, si quelqu'un t'amène dans le blog, il t'a amené là où tu dois manger, tu le respectes. Hey! Big up à la RSE qui est en Suisse. Maman, une abeille, elle a acheté 10 ensembles de Ducamer. Elle a cité les noms, donne gratuitement. Je peux jouer avec les abeilles, mais il y a les abeilles là, les autres là. Je ne peux pas. C'est moi qui vous montre que Facebook, c'est les intérêts. Oui. La reine, elle mange. Elle fait ses voyages, elle mange tranquillement. Hein? Nous, on mange. Donc, Amer Kamer ne peut pas blaguer avec Flore de Lille parce qu'il mange. Ducamer ne peut pas s'amuser avec Flore parce qu'il a mangé et il mange. Ma marque de vêtements, là, qui a acheté ça, ce n'est pas les abeilles. Hein? Ce n'est pas les abeilles qui a acheté ça. Donc, c'est un message qui passe à tous ceux qui disent que Ducamer est en train de faire un plan contre la... Mon ami, je mange dedans. Voilà, si je fais un plan, je fais un plan sur les personnes qui ne me servent à rien et qui ne veulent pas me respecter. D'accord? Le respect est mort sur Meta. Sur Meta, on cherche l'argent et on respecte ceux qui te donnent l'argent.
J'ai vendu les habits ici fatigués, les abeilles à gauche, à droite. Pardon, pardon, abeilles, t'es cassé. Abeilles, t'es cassé jusqu'à la gare. Donc il n'y aura aucune guerre, aucune guerre. Il n'y aura aucune guerre à recommencer. Fleur de Lille, pas la main pépé, ça ne fait rien. C'est quand Fleur de Lille a bu ses bières. Tout le monde, quand tu as bu la bière, tu parles mal. Comprenez? Oh, compression manipulée, écoute-moi l'embopi et sa bande là. Oh, que tu entends que compression manipule contre quelle manipulation? Quand tu manges quelque part, tu manipules. Hein? Que du camer, compression manipule contre Fleur de Lille, tu peux attaquer le Qatar? Tu peux t'attaquer au Qatar? Tu peux attaquer le Qatar, on attaque l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, au lieu de rester tranquille, ça veut un peu parler. Hein? L'Éthiopie veut attaquer le Qatar, on les écrase quand on veut. C'est Lolo qui est l'Éthiopie. Donc, le plan, c'est attaquer l'Éthiopie. Vous étiez avec le Qatar, vous êtes parti vous rallier à l'Éthiopie. Voilà pourquoi vous maigrissez, vous voulez revenir. On ne revient plus. Le Qatar n'a pas, le Qatar ne reprend pas les refoulés. Vous allez rester en enfer. Le Qatar ne prend pas les traites. Nous sommes du Qatar, les Qataris, maman, l'argent de ça. Et tu vas l'entendre dans les... Du Camer, je t'envoie 1000 euros. Du Camer, je t'envoie 500. Ouais! Aïe, 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 aïe. T'es cassé, oye. Abbé, oye. Les Éthiopiens.